T'étais où? Mais gros, j'étais T'étais en où? garde à vue, wesh. La vie de ma mère, je t'envoyais des messages et tout, j'étais en garde à vue. Et je m'étais fait péter. Faisais quoi avec les keufs? Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Elle prend mon corps pour un billet. Billet qu'elle veut déshabiller. Pas le temps de s'amuser. Ce soir, c'est sur moi qu'elle a misé. Elle insiste. Monsieur Isma. Oui, on J'étais s'est vu hier vu soir. par rapport On s'était vu hier soir. au vol d'un véhicule, voilà, au vol d'un véhicule et par rapport à un sac de weed que vous possédiez. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Ah non, Vous attendez, vous dire? parlez de quoi, non? Non, mais moi, je suis déjà sorti de garde à vue, là, je suis revenu, en fait. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, en fait, j'avais une urgence. Et j'ai emprunté une moto. Et voilà. Et la police m'a interpellé. Alors là, franchement, je vous avoue, je sais pas quoi faire de vous en fait. Bah, C'est. franchement, je suis. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça parce que à la fin, je perdrai patience et je mettrai tout le monde en prison pour que ça serve de leçon. Mais j'ai pas envie d'en. Bon, écoutez, je vous annonce quand même forcément que tout est enregistré, hein, comme toujours avec moi, Ouais, pas de puisque c'est souci. une obligation. Ce que je vais vous demander. Je vais vous relâcher à la seule condition. Oui. Mais le prochain coup, moi là je vous le dis par contre, cette fois-ci il n'y a même plus de cadeau. Vous traversez en dehors du passage clouté. Je vous reprends tous les dossiers, je vous mets la totale. C'est je vous ferai aucun cadeau, aucune pitié. OK. Je vous le dis, c'est. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'en ai ras le cul, ouais, parce que pour rien en plus, voilà, je comprends pas, j'en ai marre. Vous me faites perdre mon temps, vous perdez votre temps aussi. Faites un pet de travers et je vous ferai plus de cadeaux maintenant. D'accord? Ok, bah je vous décevrai plus. Enfin, je vous décevrai pas. Putain, sa mère. La vie de ma mère, les gars, je vais me balader que en vélo maintenant. Et fou, il m'a mis un de ses coups de pression, il m'a dit. Si je te revois même traverser dans les passages. À côté des passages piétons. Ben, je remets toutes tes amendes à jour. Et je te mets en prison. Attends, faut que j'appelle. Allô? Allô, gros, tu m'entends? Allô, gros, tu Ouais, m'entends? je t'entends. Gros, je viens de sortir de garde à vue, explique-moi tout ce qui s'est passé là. Attends, vas-y, viens, je suis en bonne, je suis en train de changer vite fait. Gros, je suis à pied et écoute-moi bien ce qu'il m'a dit, le procureur. Il m'a dit si jamais je te vois traverser, même à côté des passages piétons, je mets toutes tes amendes un jour et je te mets en prison direct. Il m'a fait une ses faveurs là. Il m'a fait de ses Il m'a faveurs. mis une sacrée pression. Vas-y, vas-y, gros, viens, viens, tu sais. J'arrive, j'arrive. Wesh. Ouais, Explique-moi les bails. Alors, ça se alors, finit écoute comment bien. cette histoire? Alors, ça se finit comment cette histoire? Franchement, pour moi, bien, Alejandro, je sais pas. Non. J'ai pas de nouvelles de lui. Non. J'ai aucune nouvelle de lui. Mais t'étais pas avec lui. Alors, moi. Mais t'étais pas avec lui. Mais si, mais attends, écoute. Moi, je suis arrivé, j'ai pris la cible, je l'ai emmenée, je l'ai cachée. J'ai attendu, attendu, je l'ai séquestré. Au bout d'un moment, il est venu, Alejandro. Ouais. Il est venu Ouais. avec quelqu'un. Et il lui a dit, si tu le tues lui, je te laisse la vie sauve. Mais il a buté les deux, je crois. Ok. Et du coup, Ok. nous, on s'est barré. Moi, j'ai pris une voiture, on s'est barré, tu vois. Ouais. Et Ouais. moi, personne n'a suivi rien. Et Et enfin, il y lui? a quelqu'un, un flic qui m'a Lui? suivi, un flic qui m'a suivi en moto. Mais ça va, j'ai réussi à esquiver. Je me suis caché, j'ai jeté mes armes, j'ai tout jeté, j'ai plus rien. J'ai changé, donc là je suis incognito. Mais Alejandro, j'en ai aucune idée. Putain, et il y a du quoi par rapport à mon sujet? Il est au courant que j'étais en garde à vue? Tu penses que je l'ai planté peut-être? Tu penses que je l'ai planté peut-être? Non, il est pas au courant, j'ai pas le temps de prévenir, je pense que t'es vraiment tendu. Putain, à mon avis, il doit croire que je l'ai mise à l'envers. C'est-à-dire, s'il est vivant, il va vouloir des explications. Ouais, mais t'inquiète, gros, le direct est en garde à vue, y a pas de problème. Il De toute répondra façon, au il y a téléphone, non? confiance. Non, non, j'essaie de l'envoyer un message, mais il répond pas. Dernière nouvelle, les flics, ils le suivaient. Putain. Ouais. Rentre avec moi dans la maison, je te nique ta mère. Rentre avec moi dessus de la maison, je te nique ta mère. T'étais où? Mais gros, T'étais j'étais en où? garde à vue, wesh.
La vie de ma mère, je t'envoyais des messages et tout, je t'en garde à vue. Et je m'étais fait Faisais péter. quoi avec les keufs? Mais Faisais quoi là. avec les keufs? Mais ils m'ont pété, wesh. Ils m'ont pété en train de Tu voulais voler ta une mère, moto. quoi. Écoute, t'as vu le plan? On devait s'en tenir au plan, je devais aller voler des masques. Sur la route, en train d'aller prendre pour aller voler des masques, pour aller chercher les Baisse, masques, baisse, je me suis baisse, fait baisse. péter. Arrête de crier, je te nique ta mère. Frère, tu pointes une arme sur moi, tu crois que je vais parler tranquille? T'as dit quoi? Tu pointes une arme sur moi, tu crois que je vais parler tranquille? Calme ta gueule, je te mets une putain de balle dans la tête là maintenant. Donc baisse ta putain de voix et je vais te niquer ta mère. De toute façon, tu vas mourir. Attends. La vie de ma mère, les gars, je vais me tailler. Je vais attendre qu'il rentre, je taille. Non, T'es où? je suis là, wesh. Écoute, gros, la Quoi? vie de ma mère, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai. Arrête, Viens wesh. là. Ah. Ferme ta gueule. Arrête, wesh. Ah, tes Ferme conneries. ta putain de gueule. Ferme ta putain de gueule. Bon, allez, dis-moi. Écoute, Ah, tu veux faire le mec? Tu veux faire le mec? Mec de quoi? Tu viens chez moi, tu me plantes, tu me pointes une arme sur moi, Ferme ta gueule, frère. je te nique ta mère. Ferme ta gueule, je te bute. Du coup, tu veux que je t'explique ou pas? Explique-moi. Putain, tu vois, le plan, tout était parfait. J'étais parti pour déjà chercher la planque et pour trouver un masque. Là, c'est pas, je prends une moto, gros, les keufs, ils me pètent. Ils viennent, ils me prennent en chasse, ils me fauchent. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Mon arme. Bah alors, je t'explique une chose. Tu me dois 10 000 dollars. Qui? Mais je dois déjà 10 000 dollars au keuf, wesh, tu veux que je fasse Si. comment? Je m'en bats les couilles. Écoute-moi. Si j'ai pas 10 000 dollars avant de passer, je te laisse 2 semaines. Si dans 2 semaines j'ai pas 10 000 dollars, je te mets une balle dans la tête. On s'est compris? Tu m'as compris? Écoute, ton plan a Tu fonctionné, prends oui pour ou ta non? puta? Ton plan a fonctionné ou pas? Nique ta mère. Je vais te niquer ta mère. La vie de ma mère, Il est ton où plan, Henri? il est pas là. Il est où Henri? Il est pas là, il a fait le plan avec toi, tout s'est passé comme prévu. Pourquoi tu Ferme cherches ta encore gueule. des emmerdes? Ferme ta gueule. Qui me dit que t'es pas allé balance? T'as vu ma gueule ou quoi? Tu crois que je vais les balancer ou quoi? Donc, m'en bats les couilles. Qui me dit que t'es pas allé balancer? Tu crois que Je je vais vais juste les te dire un balancer? truc. Ok, donc je vais aller balancer mon pote plus toi. Alors qu'on avait tout prévu. Je vais te Wesh, dire. tu. Tu sais, là, tu vas devenir un peu ma puta, là. Tu le sais ou pas? Ah, Moi, fous-toi. j'accepte pas les hommes comme toi. Mais. Ferme ta. Attends, tu me fais rire. J'ai fait quoi de mal? Explique-moi. T'étais avec les keufs Avec les keufs, j'étais avant en de faire le cellule. truc. Putain de merde, tu veux que je fasse comment? J'étais en cellule. En plus, je t'ai vu passer quand t'es parti voir ce putain de procureur. Là, je criais Alejandro, Attends, je vais te Alejandro. niquer ta Ah, mère. frère. Je vais te niquer ta mère. Tu sais quoi, tu veux de l'argent? Tiens, va là-bas. Va, ouvre le placard là-bas, il y en a dedans. Vas-y, va niquer ta mère. Où il y en a là-bas? Tu me prends pour un con? Attends, je vais ouvrir le placard. Ma mère, je me casse. Je me suis cassé tout de suite, moi. Bleu. Ouais. T'es mort. Hey, écoute-moi bien. Bon, les gars, ça va partir sale dans les histoires, ça. Donc là, j'ai Alejandro qui veut ma peau. Ouais, quand je dis ça me fait trop rire parce que là, le gars, il vient avec une arme. Moi, j'ai pas d'arme. Il fait le fou. Attends, t'inquiète pas, je vais trouver une arme. Je vais faire le fou, vas-y. Bleu. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? T'es où? Écoute-moi bien. Tu viens chez moi, tu prends une arme et tu fais le fou avec moi. C'est ça, ouais. Moi, je suis là, j'ai voulu faire le plan avec toi. Tu viens, tu me menaces avec une arme en disant que tu me balances. Moi, ça marche pas comme ça, moi. C'est ce qui t'attend si tu fais ça. T'es sûr de vouloir prendre cette décision? Quelle décision? Tu n'aimes pas quelle décision j'ai pris? T'es sûr? T'es sûr? Vas-y, dis-moi là, je reviens, il se passe quoi? Vas-y, explique. Écoute-moi, je suis au magasin de vêtements là, juste à côté. T'as 5 minutes. Tu reviens pas sur la vie de ma mère, je te tue. Ah, tu me fais trop rire. Et là, il me fait trop rire. Je vais le voir. Le problème, c'est que j'ai pas de gun. Et j'ai risqué qu'il me tire une balle dans la tête. Ah, tu sais quoi, je vais aller voir. Allez hop, c'est bon, c'est parti. Je suis qui moi en fait?
Allez, attends, on va aller voir ça. Bah, sors ton véhicule, je suis là. Monte dans la voiture. Dans ma voiture. Je ferme ma voiture. Wesh. Allez, monte. Vas-y, je Tu vois le t'écoute. calibre qui est sur ta tempe ou pas là? Ouais, je le vois. Écoute, je dis un truc. Moi, je vais te niquer ta mère. Là Bon, maintenant, je vais te niquer ta mère. écoute, écoute, Tu écoute, te écoute, écoute, démerdes. écoute, écoute, écoute. Laisse-moi finir. Attends, Wesh. attends, attends, attends. Tu crois que je suis une pute à moi? Je m'en bats les couilles. Fallait pas te faire attraper. Attrapé de quoi par Bon. rapport aux flics? Sors de la voiture. De ma mère, c'est les histoires, ça. Fais pas le fou avec moi, je T'es t'ai dit. sûr, tu veux me frapper? Là, frère, t'es là, tu frappes. Tu crois que je vais me laisser faire ou quoi? Voilà, tu sors un gun, voilà. Viens là. T'as vu? Viens là. Depuis quand tu frappes un mec qui est armé, toi? T'as des grosses couilles quand même. Ouais, putain. T'es niqué ta mère, toi. Mange de la tête, écroué putain. Viens là, c'est pas fini. Viens là, c'est pas fini. Bouge de là maintenant, vas-y, bouge de Sale là. le Tu fais malin, le qu'est-ce fou avec que moi. Tu fais le fou avec moi alors que j'ai pas d'armes. Moi, je t'ai pas balancé aux flics. J'ai voulu faire le plan avec vous, c'est tout. Ça s'est pas déroulé comme prévu, tu veux que je te dise quoi? Vas-y, je t'écoute. Bordel de merde. Vas-y, vas-y. Y'a quoi maintenant? C'est pas parce que t'as un gun, ça y est. Moi, je t'ai pas balancé. Je crois que j'allais te balancer toi alors que mon pote il est dans le coup. Putain de merde. Oh, arrête de me mettre des couilles, quoi, putain, tu m'appelles pour ta putain ou quoi là? Hein? Écoute-moi. Écoute-moi, viens là. Viens là. Écoute-moi bien. Je t'écoute, wesh. Gros, je t'ai pas balancé. Pourquoi je vais te balancer toi alors qu'il y a mon pote dedans? Je comprends pas. Alors que même moi je suis dedans. Tu m'en as parlé à moi en premier. Pourquoi je vais les balancer? Je réfléchis un peu. Écoute-moi. Je t'écoute, wesh. Soit t'acceptes, soit tu meurs. Accepter quoi? Va travailler pour moi. Travailler dans quoi, wesh? J'ai essayé de travailler pour toi, t'as vu où ça m'a mené? Qui me dit que je vais pas encore finir en prison? C'est le procureur, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je te vois traverser même à côté du passage piéton, tu vas en fédéral direct. C'est pour ça qu'il m'a laissé sortir avec toutes les amendes que j'ai, bordel. Tu crois vraiment que je vais balancer T'es ça, drôle encore du plus me cul. mettre dans la merde C'est comme ça? vraiment un con. C'est vraiment un con. Vie de ma mère, wesh. Je suis là, j'ai même pas fait un seul boulot pour toi, je me suis retrouvé chez les keufs, wesh. Et qui me dit que c'est pas toi qui as appelé les keufs pour moi, justement? Parce que toi, tu m'as l'air d'être bien ami avec le procureur. Je le dis encore une fois que je suis une balance, la tête de ma mère, je te mets une balle dans la tête. Toi, tu me dis que je suis une balance, La gros, alors vie que de ma mère. Nique ta je mère. C'est sais. moi qui parle. C'est moi qui parle. Fille de ma mère, wesh. Tu comprends pas que j'ai un calibre? Ferme ta gueule. Comment tu fais pour pas avoir peur? Tu veux que je te nique ta mère ou quoi? Tu me frappes, tu t'es pris pour qui, choué puta? C'est Fille de ma moi qui mère, te dis wesh. quoi faire. Tu comprends? Ferme ta gueule. Et pourquoi? Parce que t'es un calibre, c'est ça? Oui, moi je peux t'enlever la vie. Je peux te niquer ta mère maintenant, moi. Vas-y, explique, c'est quoi que je dois faire pour toi? Déjà, là, tu vois pas que je suis en train de taffer en taxi pour payer ce putain de procureur là? Wesh. Écoute, tu vas travailler pour moi. Tu vas être ma puta. Mais. Wesh. C'est quoi ce 4x4 qui nous suit depuis tout à l'heure là? Depuis tout Lequel? à Le l'heure, il nous Bentley? suit. Mais moi, il me suit depuis tout à Ouais. l'heure. Wesh, c'est qui c'est? Eh, le taxi, je crois il bosse avec moi, lui. Oh, je te jure, si je me fais virer de mon boulot. Si je me fais virer de mon boulot alors que j'ai plus de taf pour payer des amendes. Vas-y, wesh. Il est passé devant la maison tout à l'heure, lui. Devant quoi? Mon quartier? Viens. Viens.
Putain. Tu vas déglinguer la joue, enfoiré. Dans ta gueule, je te nique encore ta mère. Donc, j'ai pas compris, c'est qui le mec en Bentley là qui tourne depuis tout à Mais l'heure? qu'est-ce que j'en sais? Putain, même moi, il tournait avant même que j'arrive là, wesh. Je l'ai vu 3 fois. Prends pour un con. Et qui me dit que c'est pas un gars, toi, justement? Wesh. Moi, c'est très bien, je traîne avec qui? Je traîne qu'avec Henri. Les autres, je les connais pas, moi. Écoute-moi bien. Tu m'as montré que t'avais des couilles, mais t'es un peu con en fait. Con en quoi? Je comprends pas, moi. T'es vraiment con en fait. Si t'es vraiment con, tu viens d'arriver en ville, tu te fais remarquer par les keufs. Tu trouves que c'est pas con ça de ta part? Eux, ils font les fous, wesh. Moi, j'ai rien fait. À part voler la moto par rapport à ton coup, moi, les keufs, j'ai pas eu de problème avec eux pour l'instant. Bon, juste avant, ils m'ont contrôlé alors que j'avais de la buse sur moi, c'est tout. Donc t'as un casier judiciaire, donc tu peux pas être patronne, tu peux pas avoir de PPA. C'est tout, tant pis, hein. J'ai toujours grandi dans Tant pis l'illégalité, pour pourquoi je vais me toi. mettre dans le légal maintenant? Écoute-moi, on va faire un truc. Tu vas travailler pour moi. Et je vais finir où Moi, cette tu connais fois? très bien ce quartier. Ouais. Ben, on va dire que on va commencer le travail ici. Viens voir. Moi, je vais te dire un truc. Ici, ça va devenir ton quartier. C'est moi qui le contrôle, mais ça va être toi la tête. T'es déjà grillé par les keufs, au calme. Ça veut dire, attends, tu veux que je fasse quoi? Je veux que tu forces ce quartier-là. Je vais te ramener un peu de drogue. Tu vas la vendre. Tu prends ton bénéf, je prends mon bénéf. Y a qui est Tu au courant de cherches des ça? gars qui veulent rentrer dans le gang. Écoute-moi, laisse-moi finir. Toi, tu vas être ici. Ici, c'est les verts, c'est ça? Ouais. Eh ben, je veux que tu recrutes des gars. Tu peux recruter des gens d'ici, ça serait parfait. Des gars en vert comme toi. Bien sûr, je veux pas qu'ils connaissent mon prénom. Il n'y a que toi et Henri qui me connaissaient. Si à un moment donné qui sort, je viens, je te mets une balle dans la tête. Direct. Est-ce que j'ai déjà balancé? T'es là, tu Je viens. sais pas, je m'en bats les couilles. Je viens, je Écoute, je t'explique la t'aurais chose. balancé. Attends, tu veux que je te dise un truc? Je Voilà, t'aurais je vais te niquer ta balancé. mère si Écoute, tu me laisses pas parler. 2 secondes. Je suis obligé de te dire un truc Écoute-moi puisque. bien, dis. Écoute-moi bien. Écoute, je t'aurais balancé. Tu crois vraiment que tu serais sorti de la salle du procureur? Tu crois vraiment que tu serais sorti? À cette heure-ci, Loudon serait pas là en train de parler. C'est tout. Je peux te dire que ça, après, tu te fais ta propre idée. Pas recruter des gens, des bras armés. Moi, je vais te faire. On verra comment on peut faire, mais je vais essayer de t'armer en fait. De te donner des calibres. De te donner du travail. Mais il n'y a pas De la d'autres gens vendre qui ici. contrôlent déjà la drogue dans la ville. Il y a. Si, je connais. Et si jamais ils viennent pour me fumer ma race, je fais quoi, moi? T'inquiète, ils seront au courant que tu viens de. Et on va les fumer, c'est quoi, pute en plus. T'inquiète pas. Ben moi, je veux pas le C'est faire moi qui vais devant contrôler ici, la moi. drogue. Si ça te dérange pas, viens, je vais te montrer où. Parce que ici, c'est trop risqué, c'est là où je squatte, où je dors et tout. Il rentre dans ce bloc-là. Ils rentrent dans ce bloc. Et puis après, ils font ce qu'ils ont à faire tout ici. C'est aussi simple que ça. Ah, écoute, moi je vais être clair et net avec toi. J'essaie d'avoir la marché de la beuh. Peut-être de la coque aussi. Ok, moi, Viens en fumer échange. les hijos et putas. Quoi? Je gagne combien, moi? Par Écoute, truc je viens vente et chaque tout. semaine. Ben, je sais pas, je connais pas encore les prix. Mais sache que tu vas recruter des gens. Fais gaffe aux gens que tu recrutes. Faut que tu prennes des gens qui soient sûrs, tu vois. Que quand tu leur fais ça. Vois, hijos de puta. Ça, c'est parce que t'es pas venu à mon plan, hijo de puta. Bordel, faut que je t'explique combien de fois que je me suis fait péter avant, wesh. Et j'ai eu de la Bref. chance que ce putain de procureur il me laisse sortir. Bref, on bat les couilles au procureur. S'il faut le fumer, on le fumera en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois faire quoi en plus là? Là, tu vas rien faire. Là, t'attends mes ordres.
Compris? Ouais, vas-y. Mais y a que moi, toi et Henri qui est au courant de ça, on est d'accord. Henri bientôt, mais pour l'instant y a que moi et toi. C'est pas y a des gens ils viennent ils me disent ouais je travaille pour Alejandro, je sais pas quoi. Si tu redis encore Alejandro, je te mets une balle dans la tête. C'est toi qui viens de me dire ça, tu m'as dit que je travaille pour Alejandro, wesh. Oui, non, mais tu travailles pas pour les gens, faut pas qu'ils sachent que tu travailles pour Ben eux. voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Et on fait quoi? Ça commence quand? T'as une idée ou quoi? Quand ça commence, tu le sauras.